C'est la nuit, dans une taverne, que je rencontrais Vanfo. Le vieux peintre avait bu, et l'alcool de riz déliait la langue de ce personnage taciturne. Vanfo parlait, comme si le silence était un mur, et les mots des formes destinés à le couvrir. Grâce à lui, je vis des couleurs, une harmonieuse construction dans les visages, pour lesquels auparavant je n'éprouvais qu'indifférence ou répulsion. Il m'apprit à voir la beauté des choses, et me fit ainsi cadeau d'une âme et d'une perception neuve. Garçon timide, j'avais grandi dans une maison d'où la richesse éliminait les hasards. Quand j'eus 15 ans, mon père me prit une épouse et la choisit très belle. C'est vers elle, à notre maison, que je conduisis Vanfo. Son goût pour la représentation de la réalité, plutôt que pour la réalité elle-même. Ma femme découvrait peu à peu que je lui préférais les portraits que Vanfo faisait d'elle. Et son visage se flétrissait comme la fleur en butte au vent chaud et aux pluies d'été. Femme une dernière fois, car il aimait la teinte dont se recouvre le visage des morts. Pour procurer à mon maître des pots d'encre pourpre, des rouleaux de soie et des pinceaux, je vendis tout ce que je possédais, et nous partîmes sur les routes du royaume de Han. Nous étions peu chargés, car mon maître aimait l'image des choses, et non les choses elles-mêmes. Nous étions pauvres, et troquions des peintures contre un peu de nourriture. Mais le sac que je portais était rempli de montagnes sous la neige, de fleuves au printemps et du visage de la lune en été. Thank you.
Wang Fuk cherchait sans doute dans ses souvenirs s'il n'avait pas fait de l'empereur ou de ses ascendants un portrait médiocre qui mériterait la mort. Dit au maître céleste qu'il était vieux, pauvre, faible, et qu'il ignorait ce qu'il lui avait fait. Tu me demandes ce que tu m'as fait, vieux Wang Fuk. Mais comme le venin d'autrui ne peut glisser en nous que par nos neuf ouvertures, pour te mettre en présence de tes torts, je dois te raconter toute ma vie. Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans les chambres les plus secrètes du palais, car il était d'avis que les personnages des tableaux doivent être soustraits à la vue des profanes, et c'est dans ces salles que j'ai été élevé. Bien sûr, au début, je me rebellais, je niais la réalité de tes images, je tentais de leur échapper en m'évadant dans des jeux de gamins. Mais mon père, l'empereur, durement intervint. Autour de moi, on avait organisé la solitude pour me permettre d'y grandir. On avait éloigné le flot agité de mes futurs sujets. Les heures tournaient en cercle, les couleurs de tes peintures s'avivaient avec l'aube et pâlissaient avec le crépuscule. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je les regardais. Pendant près de 10 ans, je les ai regardés toutes les nuits. Je me représentais le monde, le pays de Han au milieu, pareil à la plaine monotone et creuse de la main que sillonnent les lignes fatales des 5 fleuves. Tout autour, la mer où naissent les monstres, et plus loin encore les montagnes qui supportent le ciel. Et pour m'aider à me représenter toutes les choses, je me servais de tes peintures. Tu m'as fait croire que la mer ressemblait à la nappe d'eau étalée sur tes toiles, que les femmes s'ouvraient et se fermaient comme des fleurs, et que les jeunes guerriers étaient eux-mêmes des flèches qui pouvaient nous transpercer le cœur. À 16 ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis monté sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. Sur des routes dont je ne prévoyais ni les pierres ni la boue, j'ai parcouru les provinces de l'Empire pour trouver des jardins pleins de femmes semblables à des lucioles. Les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans, la vermine des villages m'empêche de voir la beauté des rizières. Le sang des suppliciés est moins rouge que la grenade figurée sur tes toiles. La chair des femmes vivantes me répugne comme la viande morte qui pend au croc des bouchers. Et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti, Wang Fuk, vieil imposteur. Le monde n'est qu'un amas de taches confuses, jetées sur le vide par un peintre, insensé, sans cesse effacé par nos larmes. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes, et je ne suis pas l'empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner, et celui où tu pénètres par le chemin des 1000 courbes et des 1000 couleurs. Et c'est pourquoi j'ai cherché quel supplice te serait réservé, à toi dont les sortilèges m'ont dégoûté de ce que je possède, et donné le désir de ce que je ne posséderais pas. Et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux. Et puisque tes mains sont les 2 routes aux 10 embranchements qui te mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris ?
Zhang Fo parce que tu as su te faire aimer. Tuez ce chien. Écoute, essèche tes larmes car ce n'est pas le moment de pleurer. Tes yeux doivent rester clairs. Car ce n'est pas seulement par rancune que je souhaite ta mort. Ce n'est pas seulement par cruauté que je veux te voir souffrir. J'ai d'autres projets. Je possède dans ma collection de tes œuvres de jeunesse une peinture admirable qui est peut-être ton chef-d'œuvre, mais qui, hélas, est inachevée. Je veux que tu consacres les heures de lumière qui te restent à finir cette peinture. Ne crains rien, maître. Bientôt, ils se trouveront à sec. Ils ne se souviendront même pas que leur manche ait jamais été mouillée. Seul l'empereur gardera peut-être au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture.